Qu'est-ce qu'un adénome ? C'est une tumeur bénigne qui est responsable d'une augmentation du volume de la prostate. Comme la prostate est située à la base de la vessie et qu'elle est traversée par le canal, l'urètre, qui permet l'évacuation de celle-ci, l'augmentation du volume de la prostate peut entraîner une obstruction du canal et des difficultés à uriner. L'adénome est-il vraiment bénin ? Je réponds oui, tout à fait. L'adénome se développe dans la prostate à partir de 35-40 ans et entraîne une augmentation du volume de la glande, de la prostate, chez la moitié des hommes de 50 ans. À 60 ans, la moitié des hommes ont des troubles urinaires, en rapport justement avec une augmentation du volume prostatique. Il s'agit donc d'une évolution quasi normale de la prostate, essentiellement liée à l'âge. Quels sont les troubles causés par l'adénome ? Alors, l'adénome de la prostate entraîne des troubles urinaires qui peuvent être stables pendant de nombreuses années, parfois s'améliorer ou souvent s'aggraver très progressivement avec le temps. Il s'agit surtout d'envies d'uriner fréquentes, de jour et surtout de nuit, d'une faiblesse du jet, d'une difficulté à démarrer le jet et d'une sensation de mauvaise vidange vésicale, avec parfois des gouttes retardataires. Ces symptômes peuvent être plus ou moins gênants, parfois des complications peuvent survenir, comme infection urinaire, présence de sang dans les urines, blocage vésical avec impossibilité d'uriner, etc.